Ramène-moi loin dans le ciel et la nuit étoilée avec... Elle est où la grande ours? Où est grand chariot? Où est le grand chariot? Grand chariot et grand ours, c'est la même chose. Il est là! Et il est plus là. On m'a fait chier. Je cherche la grande ours, je la trouve, elle disparaît. Normal. Par là. Donc, par ici. Qu'est-ce? Il y a un calamar, normalement. D'après mes anciennes notes, il devrait y avoir un calamar. Mais ça m'étonnerait fort qu'il y a un calamar. Franchement. Ah! J'ai oublié! I forgot! Demi-tour! You know what? Quand vous voyez ça, vous savez que j'ai oublié quelque chose. La carte au trésor! Enfin, la carte au trésor là. La carte marine! We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Il y a beaucoup de trésors enfouis. Parce que des trésors enfouis, on n'a jamais vu ça. Pap! Allez, viens me faire ma petite carte. Bon, on est à la deuxième colonne. C'est déjà très bien. Alors, je vais quand même répondre aux messages, les gens. Parce que je dis après, je vais dire après, je tourne là. Après, je tourne là. J'entends dire qu'une fille vivait autrefois dans la colline en haut de l'île de l'Aurore. Oh, ok. Je l'ai déjà. Voilà. Bon, bref. This way. Il n'y a pas d'autres cartes au trésor à activer. Non. On en a déjà suffisamment. Donc, y en a-t-il une? Y a-t-il un trésor ici? Île du Losange. As-tu un secret? Sûrement. Mais tu ne nous le dévoileras pas, j'ai l'impression. Ici, il y a que seul, y a seulement l'île. Enfin, la carte du. Du machin, merde, j'ai oublié. Pas grave. L'île du. Enfin, la carte du vaisseau fantôme. Voilà, je cherchais la carte du vaisseau fantôme. Mais voilà. Enfin, bon. Une autre île. Encore une nouvelle case, les gens. Yeah, on peut s'applaudir bien fort. On avance petit à petit, mais pas très rapidement, mine de rien. On a beaucoup de cartes au trésor qui manquent à l'appel, je sais pas pourquoi. Et il y a beaucoup de cartes de cœur qui manquent aussi à l'appel. Mais là, ça risque de changer parce qu'un quart de cœur se trouve en face de nous. Yes! Enfin! Oh merde! Je suis passé devant! C'est pas bon ça! C'est pas bon! C'est pas bien! Il fallait pas! C'était pas la bonne solution! Alléluia! Espérons que ce soit une carte au trésor. Enfin, une carte au trésor, blabla. Un quart de cœur. Parce qu'on est un peu en manque. On a plus de cartes au trésor que de cartes de cœur, c'est pas normal ça! Quoique, les cartes de cœur se trouvent plus vers Mercantile au nord qu'au sud, c'est vrai. Il y en a beaucoup plus dans le nord que dans le sud. Et regardez ça, c'est pas nouveau. Enfin, bon. Il faut que je décoche le piaf qui est là-haut. Ça, c'est une chose à faire, j'ai pas réussi à faire. Allez. Oh, est-ce que t'es venu ? Non, il est pas venu en fait, il m'a juste fait chier, il m'a fait un troll. La grande ours veille. Je vais dire la grande ours veille sur moi au passage. Oui, j'utilise de la magie pour rien, mais on s'en bat les steaks. De manière, j'ai ma gelée chuchu. Et ici, normalement, il doit y avoir un Korogu. Korogu qui est là. Ok, c'est parti. Vas-y! Youhou! Vol vers d'autres cieux, amène-moi la liberté, amène-moi l'interrupteur qui se trouve tout en haut de cette montagne, de ce mont qui se trouve en haut.
wow, wow. Pam 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 pam. Vas-y, vas-y Gérard. Oui, t'as activé l'interrupteur. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Anthony, je suis ton père. Quoi? Non, Philippe. Pardon. J'invente des histoires pourrites, hein, je sais. Mais bon, pendant 3 heures, enfin pendant les quêtes annexes, faut bien se motiver un peu. Bon, il m'en reste encore 2. Il m'en reste pas mal à ramasser, finalement. J'aurais dû en ramasser dans le chemin. Mais bon, pas grave. Je dois avouer que pour les quarts de cœur, c'était nettement plus facile dans Twilight Princess. Parce qu'ils étaient... Il y en avait 2 à chaque fois dans chaque donjon, d'après mes souvenirs. Et donc, c'était plutôt un avantage certain, puisqu'on n'avait pas besoin spécialement de fouiller toutes les îles. Alors que dans Wind Waker, les quarts de cœur se trouvent dans les donjons, mais en forme de cartes. Donc il faut ensuite aller les chercher. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. Enfin, c'est pas très embêtant non plus. Donc ici, check, il n'y a rien. D'après mes sources, on dira ça après plus tard dans les épisodes. S'il n'y avait rien, de toute manière, on va me gueuler. Donc j'en profite. Vous pourrez gueuler sur moi, hein. Je vous l'admets. Vous pourrez crier, vous pourrez dire « Ouais, il y a la Triforce ici !» Je sais. Et tu nous as dit qu'on pouvait crier. M'en fous. J'ai déjà ramassé la Triforce. Et en plus, j'ai ramassé la carte au trésor qui traînait dans les parages. Alors ici aussi, j'ai sûrement dû ramasser déjà. Oui. Déjà ramassé. Comment je le sais, les gens? Le petit point rouge sur la carte, plus cette île qui est une île faite pour la Triforce, pas pour les quarts de cœur. Quoique... Je vais quand même checker, parce qu'on sait jamais. Oh, il y a des chances. Il y a des chances. Beaucoup trop de canons pour moi ici. Donc, il se peut qu'il y en ait une. Il se peut qu'il y ait un quart de cœur, et ça, ce serait vraiment pas mal. Hop. Check. Et on s'arrête rapide, on fait un petit tour, on fait le créneau de la muerte. Voilà, et il en manque encore. Hop. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Ah ah. Ah ah ah. Quart de cœur, c'est bueno. On avance. Et voilà. Ça va être long, 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 long. Mais en tout cas, ça va être bien. Fou, je crois que je vais même couper ça en partie d'une heure, à force. Non, demi-heure par demi-heure, c'est largement suffisant, je pense. Ou toutes les 20 minutes. Mais ça, après, ça ferait trop d'uploads. Oh, disparaît de ma vue. Hop là, voilà. Fuck yeah. Quart de cœur, yes. On avance. Petit à petit, on avance. Et c'est bueno. C'est bueno! Oh! Donc, ça, c'est fait. Maintenant, direction demi-tour! You know why? Because I forgot something. I forgot this. Hop! Je me dis pas que l'île est juste à côté. Ah non, en fait, j'ai dit des conneries. J'ai dit des conneries. De manière, je fais que ça. Où te trouves, où te trouves-tu mon petit poisson? Là, je crois t'avoir grillé. Là, non. Non. Je crois le griller et je le grille. C'est chelou. Je l'ai grillé. Nia. Mange. Une ombre venant du dessous des flots reflétée par la lumière. C'est pas normal l'ombre qui est en dessous en fait les gens, hein. C'est pour ça que je suis comme ça. Oh fais chier, je reviens. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et au passage j'ai pris un tout petit truc à manger parce que je commence à crever la dalle mine de rien. Et je mets ça sur ma carte, bien sûr. Ah, je mets ma nourriture sur la carte.
C'est l'idée. Débile. Allez, c'est parti, je mange mon petit bout là. Je suis très au courant, les gens, que ce n'est pas sérieux, mais bon. Comprenez-moi que ça va faire peut-être 2 heures, 3 heures que je vais tourner. J'ai besoin de force. Et donc, j'enchaîne. Donc ici, il faudra compléter la carte au prochain, mais... Enfin, au prochain île, il faudra compléter la carte. Mais il n'y a rien d'intéressant. Les gens... Oups là, pardon. J'ai voulu voir s'ils avaient corrigé un truc. Mais apparemment, non. Voilà. Alors, quelle est cette île? Ah, une des îles triangulaires, ouais. Poisson, il est là le poisson. Ah! Oh, ça m'énerve de m'arrêter comme ça à cause d'une île qui est trop proche. Ah, mamma mia! Oh merde! Je viens de penser à un truc, les gens, et j'aurais pas dû prendre le bout de pain que je viens de prendre en fait. Enfin, c'est pas grave. Voilà, les gens, ça y est, j'ai fini de manger mon petit bout de pain. C'est pour ça que je parlais pas énormément. Mais bon. Ça fait quand même zizir. Ça fait plaisir de manger un tout petit peu entre un petit... pendant un gros tournage. Parce que là, ça va être vraiment un truc énorme, les gens. J'étais pas motivé à le faire, mais depuis pas longtemps, je me dis, bon... Il y a un calamar. J'en étais sûr. Ah, mon petit calamar, tu m'as manqué, tu sais. Ah, bon. Ah bon, pourquoi je vis ça avec ça? Ah, attention, you can do it! Vas-y, Link! Bon, j'en ai marre. Non, reviens, saloperie. Allez. Viser avec le gamepad, les gens, c'est pas facile. Voilà. Ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. Et hop, un calamar pour moi. Miam miam. C'est pas bon le calamar, sauf quand il est frit. Enfin, et sauf quand vous êtes une personne qui a quand même un certain âge. Pour moi, le calamar n'est pas quelque chose que j'apprécie. Pourtant, c'est bon, hein, mais j'apprécie pas. C'est pas ma tasse de thé, on va dire. Enfin. Suspense, qu'y a-t-il à l'intérieur? Je parie sur une carte au trésor. Ou un rubis. Rubis. Rubis, t'étais obligé. Rubis, pourquoi? Pourquoi je pose les questions? Ah, mamma mia. Bon, on était sur l'île de Link. Le poisson est là. Donc... J'ai donné à manger, maintenant donne-moi le savoir. Rom nom 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 nom. Ok, je vais t'enseigner le savoir désormais. Donne-moi ta carte. Cette île, tu la connais, Long? Peut-être. C'est ton île. Quoi?
Mais l'île, mon île, c'est l'île d'Aurore. Non, ton île perso, à toi. Que t'as eu avec la propriété privée, la propriétaire là. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est monologue tout seul, ça m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais ça va devenir n'importe quoi. Donc, il me faut... Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Ça devait être la carte au trésor. Ouais, je le pense. Hop, let's go. On a déjà ramassé ce qu'il faut ici, j'ai l'impression. Prochaine île, deux quarts de cœur et un sous-marin que j'aurais pu rater peut-être. Attention, on ne sait jamais. Donc, toi, à bouffer encore. Parce que oui, tu bouffes énormément, ça a le tête poisson. Donc, où est-il le poisson? Le poisson. Il est là, le poisson. Bon, je vais quand même checker au cas où. Mais il me semble que j'ai déjà fait cette baraque à frites. Oui, je dis ça comme si c'était une baraque à frites, mais c'est pas une baraque à frites, en fait, je sais. J'aurais... Non, me dis pas que j'ai pas fait ça. Il me semblait pourtant avoir fait un épisode sur les sous-marins. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Ça m'étonne. Ah non, en fait, j'avais déjà pris. C'est bien ce qu'il me semblait, en fait. Je me suis fait des histoires. Comme je voyais pas le coffre de l'autre côté avec la porte, je me suis dit, mince, je l'ai pas chopé. Le pire, c'est qu'ici, ça devait être un flacon que j'ai ramassé. Donc, déjà, un trésor là-bas. Take it. Là, je suis quasi sûr que c'est un quart de cœur. Pour une fois que je suis quasi sûr. Yes! Un cœur supplémentaire, ça fait plaisir. Hop là. Maintenant, on descend et on va chercher un autre cœur. Enfin, un autre quart de cœur, mais toi, qu'est-ce que t'as à me dire? Oh! Oh! Je me demande ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ok. Laisse-moi checker. Je peux peut-être t'aider. Des canons. Tout simplement. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ici? Parce qu'apparemment, comme j'ai pas pété la pierre rose, ça signifie que j'ai peut-être pas été sur cette île. Et là, ça... On peut se poser la question. Ouais, j'aurais pas été sur cette île. Je suis pas venu sur cette île apparemment. Et là-bas, il doit y avoir un truc avec le boomerang à utiliser. Donc on va s'en servir. That's what I found. Merci, 5000 rubis. Maintenant, j'ai le max de rubis, je suis pété de thunes. Je suis pété de thunes, les enchères ne sont même plus là. Je peux faire ce que je veux. Je peux racheter ta maison, je peux racheter ta villa, je peux racheter ton île. Pardon. Je m'excite. Encore. Donc, allez, venez les petits monstres là qui vont arriver sur les côtés. Et voilà, je m'en doute. Viens. Oh non, tu ne retournes pas ici. Je veux que tu te poses ton gros fessier là-dessus. Enfin, ton corps. Ton corps bouleux. Je sais pas comment on peut dire. Mais ton corps. Est-ce que j'ai déjà ramassé le trésor? Non. Bref, il faut aller le chercher, quoi. Et de 1. Et de 2. Ça, c'est fait. Et voilà. Bon, c'est pas compliqué à monter, hein. Ceux qui ont du mal, je comprends pas. Oh, j'ai fait une faute. C'est pas grave. C'est surtout le côté à gauche là-bas qui est difficile pour certains. Mais je comprends pas pourquoi. Là, c'est juste que j'ai un peu speedé. Oui, je me cherche des excuses, les gens. Là, c'est honteux comment je suis tombé. J'avoue. Hop! Alors toi, j'ai intérêt à bien viser. Tep! Et ça fait le panier! Maintenant, à ton tour! Hop! Tous.
Ça, c'est bueno. Et voilà, 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 voilà. Un nouveau quart de cœur. Yes. C'est bueno, toujours bueno. Maintenant, on retourne à l'extérieur. Hop là. Hop là, hop là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ruby, bombe. Ruby, ruby. Ça sert à rien, mais... voilà. Pour les bombes encore, ça peut servir parce que j'en ai que 89. Et oui, je vois tout ça grâce au gamepad. C'est cool, ça. Donc, par contre, les flèches, il m'en manque quand même pas mal. J'espère que je pourrai aller voir la fée en haut qui sera dans une colonne bientôt. Parce que là, j'ai plus de fées. Enfin, j'ai plus de flèches dans mon arc. Dans mon carquois, si vous préférez. Donc, autant y aller tout de suite. YOLO Badass Panda. Ça rappelle les souvenirs. Donc, on va directement une case au-dessus, mais à droite. Pour être plus précis, vous verrez. J'ai cru que j'avais fait cette île, mais non. Donc. Où es-tu, mon poisson? Je t'ai cherché avant, et je t'ai zappé, ensuite. Le poisson, où est-ce qu'il est? L'est, là. Là, 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 là. Allez, viens par là. Coucou Marty, comment vas-tu, mon petit Marty? Ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. L'île de la bombe. Parce qu'elle est super canon. Pouh, rime de merde. Enfin, rime de merde, jeu de mots de... Merde, vous m'aurez compris, super canon, l'île de la bombe. Bref, dans les Zelda, les canons, enfin les bombes, ça se tire dans les canons. Bref, vous aurez compris, c'est une blague de merde. Je sors, je sais. Je sors. Enfin. On n'est pas loin de la fée, c'est déjà pas mal. Il ne reste plus qu'à espérer qu'on trouve ce que je veux, c'est-à-dire un quart de cœur. Le quart de cœur qui traîne dans les parages, apparemment. Ça doit être ça, ça doit être ça. C'est cette aura blanche lumineuse là-bas. D'ailleurs, je me pose la question. Non, je croyais qu'il y avait un quart de cœur à chaque truc de fée, mais en fait, non. Il y en a deux fées où il n'y a pas de quart de cœur, trois fées. Relais gens, j'ai pris un appel dans la gueule, je me suis pris des canons dans la gueule, bref, j'ai tout pris dans la gueule. Hop. Allez, donne-moi de la jugée chuchu, si tu m'en donnes pas, je serai pas content. Voilà, merci. Donc, une fée, ça fait plaisir. Parce que d'une... ça va m'augmenter mes flèches. Et ça, c'est cool. J'ai dit, c'est cool. Ah. Moi, j'aurais plus que 4... j'aurais pas 4 flèches dans le carquois, j'en aurais 60. C'est déjà une bonne chose. Ouah, ça va être long. Jeune homme qui sait contrôler le vent, laisse-moi t'aider dans ta quête. Oui, madame. Yes! 60 flèches, allez hop! Tout est bon, il faut juste que j'aille prendre... ah non, c'est bon, il n'y a plus de fées à prendre. J'avais oublié que la fée, la grande fée me soigne tout de suite! Et ça, c'est plutôt bueno! Bref, il n'y a plus rien à faire ici, maintenant il me semble. Donc on peut se cacher. Et d'ailleurs, il est où le lion rouge? Il est cassé ou quoi? Bref. Il faut que je... en même temps... ah! Voilà. Il faut que je trouve la poisse, le poiscaille. Hop là. Et il est où? Et il est où? Et il est où? Et il est où ce tas de... d'écailles, j'allais dire. Je voulais dire tas d'écailles. Allez.
Hop. Ça se complète. Quatrième ligne. On y est presque. Même si on va en chier à la fin, parce que c'est là où il y a le plus de quarts de cœur. Pam 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 pam. Il méridional, je crois. Non, il est îlot épineux, pardon, excusez-moi. Des plumes d'or, oui, bla 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 bla, des plumes d'or, bla, c'est beau, c'est joli, c'est pour les gamines, les gonzesses, des piafs, mais j'en veux pas. Bref. La tour des dieux. La tour des dieux, je ne m'en approche pas. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie qu'une cinématique se déclenche. Donc, ce qu'on va faire. C'est ça. Parce que si je vais à la tour des dieux, les gens, comme j'ai reconstitué la tour forte, je risque d'avoir une cinématique si je m'approche trop près de l'île des dieux. Donc, je m'écarte, je fais attention, un minimum quand même, et voilà, bon. Ça, c'est fait. Attends, ne me dis pas que... Oh, fais chier. Ne me dis pas que je me suis trompé dans la tour des dieux et que c'était pas la bonne. Possible. Fort possible. C'est élémentaire, mais... Alors, île de la face 6. Île de la face 6, je vois deux îles de la face, en fait, c'est... bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autre île de la face, les gens. Bon, d'accord, je suis un peu loin dans les îles de la face, je vous l'admets. Mais... Je me demande si c'est pas celle avec la carte au trésor. Ah, au fait, j'ai vu le poisson par là. Faut pas que je le rate. Voilà, je t'ai trouvé. Comme ça, vous savez exactement où je suis actuellement, parce que j'ai un peu tourné en rond, je vous l'admets. Mais là, on va se situer un peu mieux. Salut, petit gars. Ouais, vas-y, donne-moi des infos sur l'île, s'il te plaît. Merci.